Je sais exactement ce que vous regardez. J'ai mis ma chaussure gauche au pied droit. Ça fait 18 ans que je travaille au Cirque Plume et j'ai un grand regret. C'est que ma mère ne m'ait jamais vu jouer. Je crois qu'elle aurait été heureuse de voir, encore aujourd'hui, je suis toujours étonné par ce qui m'arrive. Un jour, on a acheté un chapiteau et puis on l'a monté comme on a pu.
je vais vous faire la mounayéyé. J'aime bien mon travail. Mon travail, c'est jouer. C'est jouer à faire semblant, mais pour de vrai. Parfois, je me demande si j'ai pas l'air un peu con. Il est 9h05. 9h05. Oh. D'habitude, à cette heure-là, je couche mes enfants, Adam et Léa. Mettez-vous en pyjama. Mettez-vous en pyjama. Je vais vous chanter une berceuse pour vous endormir. Tu prends ton temps à faire ce que tu fais, et je prends mon temps de m'occuper de toi. Du wap-di-du, wap-di-du, wap-di-du. Thank you.
Il y a 3 semaines, j'étais avec la plus jeune de mes filles, Alice, 6 ans. On discutait. Et puis tout d'un coup, elle s'arrête. Et puis elle me dit, « Maman, je viens de vieillir d'une minute. Pourquoi on vieillit ?»« Ah, ça y est, je sais pourquoi on vieillit, maman. Sinon, on n'existerait pas. » Ce soir, j'ai envie de prendre quelques instants pour vieillir avec vous. Thank you.
quand j'étais petit, à côté de chez moi, il y avait un terrain vague. C'était des sablières. Et là, les gosses s'amusaient à marcher sur un tonneau en le faisant rouler. Alors moi, j'ai essayé. Je suis tombé. Et je me suis fait très mal. Une autre fois, on avait essayé de marcher sur les mains, comme sur les photos de Robert Doisneau. Pareil, je me suis fait super mal aux vertèbres cervicales. Le saut périlleux à la piscine, pareil. Un plat sur le dos. Alors je me suis entraîné, et maintenant, j'y arrive. Sauf pour le saut périlleux. Allez, les gars. One, two, one, two, three, four. Thank you.
quelque chose, tu vois. Ça te prend plus à moi que tu comptes, là. Oui, c'est à toi que je... Bah, toi, t'as trouvé ça bien, ton navet spatial, là. Tu crois que c'est ta petite valse, sur toi. Hein? Eh ben, moi, j'ai trouvé ça naze. Alors maintenant, tu dégages, tu dégages, tu dégages. C'était pas bien, là. Ah, si, Robert, c'était super. Non, c'était pas bien, c'était bizarre, c'était... Et puis toi, tu descends là tout de suite. Bah, donne-moi ce truc-là, là-bas. J'aime bien voir ma tête en bas. Comme ça, je vois la vie autrement.
Quand il avait 7 ans, mon grand-père français. Ses parents sont morts de chagrin. Quand il a eu 11 ans, mon grand-père français, il est allé à l'usine. Les enfants n'avaient pas le droit de travailler avant l'âge de 13 ans, alors ils travaillaient la nuit. Les inspecteurs du travail ne travaillaient pas la nuit. Quand il a eu 20 ans, il a présenté des revendications de ses camarades. Alors il a été chassé de l'usine, et chassé de toutes les usines du pays de Montbéliard. Quand elle a eu 9 ans, ma grand-mère française, après l'école, elle allait travailler 2 ou 3 heures à la filature. Entre les fils, les petites mains des enfants pouvaient faire des travaux que les adultes ne savaient pas faire. Ma grand-mère polonaise était prussienne, mon grand-père polonais s'est battu contre les bolcheviks. Il a fait partie d'un bataillon abandonné dans les plaines inondées de la Pologne. Il s'est battu contre la faim, il s'est battu contre les loups. Et enfin, quand il est rentré au village, c'était la famine. Alors il a épousé ma grand-mère polonaise et ils sont venus en France pour manger le pain des Français. Après avoir été mineur, il a été forgeron, 60 degrés devant, moins 10 degrés derrière. Enfin, tous les quatre ont élevé des poules et des lapins. Tous les quatre ont cultivé un joli potager. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de faire du cirque.
Yorick. Mon pauvre Yorick. Tu fus ce que je suis. Je serai ce que tu es. C'était à Madagascar il y a 7 ans. Michel et moi, on était allés à Ndassibé pour faire une promenade en forêt. Ça faisait seulement 15 jours que notre petit garçon était avec nous. Et pendant la balade, il s'était endormi dans mes bras. Et à un moment, on a fait une pause. Et d'un seul coup, à 3 mètres au-dessus de ma tête, un lointain cousin des singes, un Indri, qui était penché sur nous, s'est mis à crier. C'était un cri très long, presque un chant. Et il était d'une puissance saisissante. À ce moment-là, j'ai regardé mon petit garçon. Et son visage était paisible. Tout juste s'il a soulevé les paupières pour regarder en direction de l'animal. Et puis il s'est rendormi, alors que toute la forêt résonnait des chants des Indri qui se répondaient.
À ce jour, c'est la plus belle musique que j'ai jamais entendue. De gleu bleu, rente glaflus bleu, rabeleux. Rabeleux?
Ce violon, je l'ai eu en 78. Le grand-père de l'ami avec qui j'étais à l'époque était violoniste dans un orchestre. Et moi, je débutais. Il est mort cette année-là. Alors la grand-mère de Claudine, mon amie, a décidé de me léguer le violon de son mari. Et puis, 3 ans plus tard, nous nous sommes séparés. Alors il a fallu que je restitue le violon à la grand-mère de Claudine. Et puis le temps a passé, elle est venue un soir me voir avec le violon. Et elle m'a dit, ma grand-mère a fait un songe cette nuit. Elle a vu son mari qui lui a dit, mon violon est en train de mourir au-dessus de l'armoire. Il doit jouer. Va voir Alain et rends-le-lui. Merci Albert. Thank you.
Everybody, everywhere. Good night.